Bonjour à toutes et tous les amis, c'est Ninario et on se retrouve pour ce 11e épisode de notre let's play commenté sur Super Mario Odyssey. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau pays, un nouveau monde. Tout simplement parce que la dernière fois, nous avions terminé le pays de la forêt en vainquant le boss voleur de fleurs robotique, là, le machin qui ressemble à rien. Et donc aujourd'hui, comme je vous le disais, nous allons découvrir le nouveau monde qui semblerait être normalement le pays des gratte-ciels. Si j'ai pas de bêtises, normalement c'est celui-là. Donc bref, très content d'y aller tout de suite. Sauf qu'avant, je vais poser la question du jour, à savoir, quel est votre Broodles préféré? Parce que là, avec la dernière fois, ou peut-être la vidéo d'avant, je ne me rappelle plus, on a affronté au moins une fois tous les Broodles du jeu. Donc normalement, il y a la fille qui s'appelle Harriet, le gars avec un chapeau vert qui s'appelle... comment il s'appelle lui? Topper? Je crois que c'est Topper. Le gars avec un chapeau violet, c'est Spiwart. Et le gars avec un chapeau jaune, il s'appelle Rango. Ouais, je crois que c'est ça. Donc bref, on a Harriet, Topper, Spiwart et Rango. Quel est votre préféré? N'hésitez pas à me le dire. Pour ma part, moi j'aime bien... Je sais même pas lequel est mon préféré, j'ai même pas pensé à ça. Ouais, pour moi je pense que je dirais la fille parce que j'aime bien le gameplay avec les bombes et tout ça. Donc je dirais la fille. Bref, on est parti. On lance la casquette. Oui, je veux aller dans un autre pays, s'il te plaît, Capi. Allez, on est parti pour le pays des gratte-ciels. En plus, c'est l'un des mondes que j'attendais le plus dans le jeu. Bref, on est parti. Musique. Attention. C'est à la fois, je pense, le pays le plus attendu et le plus critiqué de ce jeu. Avec les humains et tout, là, ça va être trop bien. Comme d'hab, on connaît les bails. Capi va nous apprendre un truc qu'on connaît déjà. Il se donne du mal pour composer un bouquet d'exceptions. Et Bowser, le vol sans vergogne. Cela doit cesser. Bon. Si on profite du voyage pour faire un peu de lecture. Truc de voyage, on connaît. Voilà. Maintenant Y, c'est bon à savoir, non? Bien, essayons d'en savoir plus sur le pays des gratte-ciel. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Oh, ça m'intéresse. Un petit combat contre Bowser serait cool. Ça, c'est stylé. Pays des nuages, Cumulonimbus. Donc on n'est pas au pays des gratte-ciel, mais c'est pas grave, combat contre Bowser, c'est aussi stylé. Allez, et j'ai bien fait de pas prendre la tenue de Einstein, parce que vous imaginez, ça aurait tellement décrédibilisé la scène. Bref, je me comprends. On est parti. Attendez. Hop, hop là. Bowser, j'arrive. On met du temps à arriver, c'est bon. Il est tellement stylé avec son chapeau. Mario, ne me dis pas que tu penses encore pouvoir m'arrêter. Un mariage, c'est toute une organisation. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est stressant? On s'en fout. Ok. Et ben on est parti. Allez, on se met en place. Go. Oh lolo, attention. Ok, j'ai compris. Oh yes, on lui pique son chapeau. Viens là ma gueule. Non. Ok. Hop. Ok, d'accord, je comprends le but. Bon, donc là on va le défoncer avec son propre chapeau. Boum. Oh oui. C'est stylé parce qu'en même temps, faut secouer. Pourquoi t'as perdu le chapeau Mario? Mais garde-le. Un malade, on l'aurait tué super rapidement. Quasi. Ok, il refait ça. Boum, casse ça.
Aïe, je suis mauvais. Par exemple, dans le cœur que j'ai loupé. Voilà, c'est bon. Alors, où est-ce qu'il est? J'aime pas ça. Ok, il est là. Hop là, on le prend son chapeau. Go. Ok, donc il part par là. Hop, on saute. Voilà. Boum. Ah mince, je pensais que je pouvais le casser, mais en fait, je pense pas. Hop, on va quand même pas mourir. Go. Boum. Super. Mario qui donne des coups de poing. On aura tout vu. Alors, attention. Ok. Il relance le chapeau. On fait gaffe cette fois. Ok. Hop. Alors, le chapeau. Ah, il est parti à son... comment on appelle ça? Son possesseur. Alors, attends. On évite. J'ai pas le droit de mourir là-dessus. Sur ce, on est reparti. Alors, attention à ça. Boum. Voilà. On lui prend le chapeau. Maintenant, on le poursuit. Hop. Hop, voilà. Alors, ça, on évite du coup. C'est bon, nickel. Prends-toi ça. Boum. Et voilà, ça c'est fait. Allez, encore une fois, je pense. Et ce sera bon. Alors, cette fois, nouvelle technique. Vous allez voir ça. Ça va être de toute beauté. Ah mince, ça l'enlève. Allez, vite. Reprends le chapeau. Voilà, c'est mort. C'est mort. Hop. Allez, vite. Comment c'est trop chaud de l'avoir son chapeau. Bon, ok, je suis carrément perdu. Il est où? Ok, là. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On l'a. Cette fois, tu vas avoir mal, mon petit. Hop, hop. C'est vraiment pas compliqué comme combat. Je suis vraiment mort. Super. J'étais super mauvais tout à l'heure. Hop là. Et maintenant. Boum. Qu'est-ce qu'il fait? Hop là. Oh, c'était prévisible. Comment j'étais? Boum. Oh là, géré. Pour la fin. Pour la fin. Comment j'ai crié. Oh non. Ouh, je le sens mal pour la survie de Mario là. T'as compris cette fois Mario? Ah ouais quand même. Il rigole plus là, Bowser maintenant. Qu'est-ce qui va nous arriver? On n'est pas du tout au pays des gratte-ciels. Hein. Pays perdu, Toxil. Wow! Mario! Ça va, on est vivant, on respire. Hop là! Où est-ce qu'on a atterri avec tout ça? Dingue galurin! L'Odyssée est cassée! On va avoir besoin de l'une de puissance pour la remettre en état. En fouillant un peu, on devrait en trouver dans le coin. Ah ouais. Ah il nous a mis mal la tortue là. Ah ouais. En plus Mario comme il dit. Ok. Il a cassé le vaisseau. Très bien. Donc on est dans un tout nouveau monde. Toxil. Ok. Pays perdu. Population inconnue. Minuscule inconnue. 33 degrés en moyenne. Ok. Avec des chenilles. Ouais c'est assez petit. Voilà. Bref on a plein de trucs. Alors écoutez, on n'est pas du tout là où on était censé être. Mais pourquoi pas? Et donc du coup, bah ça me fait penser que vu qu'on est embarqué pour un tout nouveau truc, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Alors cette vidéo sera assez courte, hein, je suis d'accord. La vidéo est courte. C'est sûrement l'épisode le plus court que j'ai fait tout au long du let's play. Mais bon là, dans le scénario, je pense que c'est le meilleur endroit où on peut s'arrêter. Bref. Si ce combat contre Bowser vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à commenter et à partager. On se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien. Et n'hésitez pas, avant que j'oublie, à répondre à la question du jour, qui est quel est votre Broodles préféré. Ça me ferait super plaisir que vous y répondiez dans les commentaires, parce que partager des trucs, c'est un peu le but d'un let's play. Bref, on se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine tout le monde. Salut!